Bonjour, je vais vous interpréter quelques petits chants euh, bienfaiteurs et en même temps libérateurs de mémoires traumatiques. Oh Oh um. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like si vous aimez pour soutenir. Ça fait toujours plaisir. En fait, je le, fais, je le fais pour moi, parce que ça me fait plaisir, mais je le fais aussi pour vous. Donc, euh, si vous, vous soutenez, ce sera plus visible et vous aurez plus de contenu. Donc, c'est tout gagnant-gagnant. Donc, faites ce que vous voulez. Hein. En tout cas, moi, je vous aurais dit ce que j'en pense. Hein. Je fais ça pour le meilleur et pour l'amélioration de cette société. Car je ne crois pas que vivre hors de cette société soit forcément une bonne chose. On ne peut pas vivre totalement, entièrement en autarcie de la société. Car sinon, on est en décalage et on risque peut-être à un moment ou à un autre d'être complètement déconnecté de cette société, et de disparaître d'une façon ou d'une autre par, par le fait qu'on qu est arriéré ou, ou isolé. On n'est pas isolé, on croit pouvoir s'isoler du monde, mais la société, on est, elle est quand même un système majoritaire, on est obligé d'en tenir compte. Alors plutôt que de la fuir, l'idée serait plutôt d'améliorer cette société afin que cette société soit meilleure pour tout le monde. Plutôt que ceux qui, du New Age, critiquent la société et essayent de s'en séparer, de s'en isoler, plutôt que d'essayer de la détruire il ferait mieux d'essayer d'y participer et de l'améliorer. Car si vous êtes malade, vous serez très content d'avoir des médecins et hors de votre société, vous n'avez pas de médecins. Vous avez peut-être des chamans, mais la médecine a quand même fait des progrès énormes. Il y a certains trucs que les chamans ont et que la médecine n'a pas, mais il faut savoir tenir compte des deux, pas d'un seul côté. Hein, si vous avez un bras cassé, euh, si vous êtes euh, chez les primitifs, vous aurez beaucoup plus de problèmes pour vous soigner. Hein, ils vous fileront une attelle, ils vous fileront peut-être pas des doliprane ou des, de la morphine, mais vous souffrirez beaucoup plus que si vous étiez en hôpital dans la société. Alors réfléchissez ça, réfléchissez à deux fois avant de vouloir détruire la société. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui cachent des canettes de bière ou des choses comme ça qui font des éclats de verre pour en preuve de, de, de critique de cette société en fait avec ça ils détruisent non seulement la société mais ils se détruisent aussi eux-mêmes ils détruisent toute leur crédibilité c'est juste un appel et un petit truc politique parce qu'il y a des limites à tout voilà merci